grave malaisant. Vous savez pas quoi faire pour moi, juste c'est moi. Adam veut faire un tour dans la tête. Avec une introduction peps, si j'étais là en mode ouais ça va, je suis désolée, j'ai absenté, j'essaie de faire le wesh pour que toi-même tu sois dedans, tu retrouves un peu la folie, les cris, parce que je sais que ça t'a manqué. Oui, je sais que ça t'a manqué. Bref, on sait pas ce que tu fais, tu viens, tu pars, 3 semaines que tu passes là je reviens, c'est bon, là je suis installée, je suis posée. Ah c'est bon, je reviens, non vraiment je reviens, j'arrête de vous abandonner. Mais en ce moment la vérité c'est que je suis très occupée. Celles qui n'ont pas suivi en ce moment, depuis peu, je vends un produit pour la pousse des cheveux, pour la masse des cheveux, pour la chute. Les retours sont juste ouf, merci à celles qui me donnent la force, franchement c'est un truc de ouf. Je pensais pas mais là, celles qui me suivent sur Instagram, sur mon compte cheveux, vous savez de quoi je parle. Si vous n'êtes pas encore au courant, j'ai mis mon Instagram en barre d'infos. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Vous m'avez manqué. Et presque 3 semaines, carrément je suis essoufflée. Stay focus, Névia, t'es là. Non, je me suis pas mariée, c'est pour le mariage de ma meilleure amie. On bat les couilles, frère. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul Primark. En fait, je savais pas comment revenir sur YouTube. Je me suis dit, si je reviens avec un tuto make-up, les tutos make-up, ça fait plus trop son effet comme avant. Je me suis dit, les meufs, elles vont pas trop kiffer. Si je viens avec une vidéo crash test, je sais pas si les meufs, elles vont kiffer. Je me suis dit, là, haul Primark. Bonjour la petite souris. Bonjour, c'est ma mère. On se dit le haul Primark, c'est good. Let's go. Alors je prends les articles un petit peu dans le désordre parce que j'ai pas vraiment d'ordre. Voilà, j'ai pas commencé par les vêtements ou bien par tout ce qui est maquillage, ça va être un petit peu tout et n'importe quoi. En fait j'ai vu en passant dans tout ce qui est, en passant dans le rayon make-up, accessoires, j'ai vu qu'en ce moment ils étaient sur la collection Noël. Et du coup j'ai trouvé des trucs qui étaient plutôt pas mal, et en plus de ça je compte vous faire pour la période décembre un concours spécial fête de Noël. La première chose que je peux vous présenter c'est une palette qui m'a coûté 5 euros, qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette glitter, j'ai testé en magasin, en fait elle avait l'air pas mal, mais j'espère juste que les palettes ne sont pas qu'en surface, parce que vous avez certaines palettes qui ne vont avoir des palettes qu'en surface, et une fois que vous allez prendre la matière, mais du coup après il n'y a plus de paillettes. Et j'ai vu en fait que c'était une texture un peu, comment vous expliquer, si, comme si c'était de la vaseline qui était mélangée à des paillettes, c'est gras. Mais je sais pas, je me suis dit 5 euros, elle est archi belle. Ensuite j'ai pris un kit de pinceaux qui m'a coûté 10 euros, dans les tons nude paillettes. Je crois qu'à l'intérieur il y a une petite pochette comme ceci. Donc c'est vraiment dans l'esprit Noël, rose gold, paillettes, tout ce qui scintille. Donc voilà, pour 10 euros, vous avez 5 pinceaux, donc pour les yeux et également pour le visage. Et pour avoir déjà testé leurs pinceaux et également leur maquillage, je trouve que c'est plutôt pas mal niveau rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai pris un recourbe cils à 2 euros. Ceci donc doré dans les tons rose gold. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort au niveau des packaging. Je sais pas, je trouve ça vraiment super joli, super cute dans ce style de couleur. Ensuite j'ai pris un lot de 3 petits parfums à 7,50 €. J'ai trouvé les packaging super mignons, comme ceci. À offrir ce style de petits paquets, ça fait toujours plaisir pour les fêtes par exemple, si vous n'avez pas forcément d'idée. J'aime bien Primark, c'est que vous pouvez trouver des petites pièces qui coûtent pas très cher et que vous pouvez très bien offrir pour faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà, 7,50 € le petit coffret. J'ai pris une palette que j'ai trouvée juste ouf à 6 euros, la Dark Wonder. Et à l'intérieur c'est vraiment des couleurs pour les fêtes. J'ai fait un swatch en boutique, et quand je vous dis que la pigmentation c'est un truc de ouf, je l'ai trouvée juste dingue. Voici comment elle se présente de plus près. Vous avez vraiment des couleurs pour reproduire des looks de soirée. Regarde-moi cette pigmentation. C'est juste ouf. Pour 6 euros, le vert est magnifique. Voilà, je pense que je vous reproduirai d'ici peu un look fait à petit prix. Et 6 euros.
sirop, une palette comme ça, elle est vraiment bien. En plus, ce qui est cool, c'est que vous avez aussi bien des fards irisés que des fards mat. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne palette pour 6 euros, donc rien à dire. Ensuite, j'ai repris un lot de crayons que j'applique tout le temps. Tout le temps dans mes tutos make-up, pour tous les jours, ce que je porte également aujourd'hui. Et vous êtes très nombreuses à me demander à chaque fois la référence de ce crayon. C'est le crayon Primark. Celui-ci, c'est un marron nude qui coûte 1,50€, qui tient mais tellement bien sur les lèvres, qui n'assèche pas les lèvres, qui tient vraiment toute la journée. Pendant la teinte, c'est le Desert Sound. Et leur crayon, c'est juste un truc de ouf. Je prends toujours le même crayon, soit c'est celui-ci qui est un petit peu un vieux rose marronné, ou soit c'est le marron. Si vous recherchez un bon crayon pour tracer vos lèvres, je vous recommande vraiment ceux-là qui sont juste ouf. Ensuite, j'ai pris un petit halouf, un petit cochon. C'est un lip balm, un baume à lèvres à 1,50€, mais qui est trop cute. Comme ça, un petit cochon. Il y avait plusieurs modèles et j'ai voulu prendre le petit cochon comme je l'ai trouvé mignon. Tu es ridicule, meuf. Tranquille, j'assume. 1,50€. Ensuite, j'ai pris un petit miroir, toujours pour être dans l'esprit fête, que j'ai trouvé mais magnifique, à 3€. Comme ceci. Vous avez plein de petites pierres en fait dessus. Et trop beau quoi, 3€. Et ça faisait partie de la même collection des pinceaux que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris deux paires de boucles d'oreilles qui coûtaient à l'unité 4€. Une comme ça, une jaune avec des petites franges. Et j'en ai pris des grises comme ça, toutes mignonnes. Donc voilà, 4€, des petites boucles d'oreilles. Tu peux porter ça vraiment pour tous les jours. Ou par exemple, si tu vas à un événement. Je trouve que ça permet vraiment de, bah, tu vois, dégayer la tenue. Ensuite, j'ai pris un lot de pinces, puisque j'en avais plus du tout pour faire mes brushings, à 2€. Ouais, des petites pinces comme ça, simples. Je crois qu'à l'intérieur, vous en avez une dizaine. Ensuite, je suis tombée dans tout ce qui est le délire du velours cette année, je sais pas pourquoi, je crois que c'est la mode en plus du velours, tout ce qui est côtelé. J'ai pris une salopette qui m'a coûté 19€, oui, une salopette, qui se présente comme ceci. Donc, voici comment elle se présente, elle existait aussi en bordeaux, mais j'ai voulu la prendre en noir, je la trouvais beaucoup plus belle en noir. Voilà, une simple salopette comme ça, si vous en recherchez de ce style là, bah vous en avez à Primark, en plus pour 19€, ça coûte rien du tout. Ensuite, toujours dans le même style velours, côtelé, j'ai pris une petite jupe que là j'ai prise en verte, qui m'a coûté 17€. Voici comment elle se présente, elle est super cute. Vous avez une petite ceinture avec un anneau, et j'ai vraiment aimé le petit détail de l'anneau à porter avec une petite paire de cuissardes ou des petites chaussures, ou bien... une petite paire d'escarpins avec un long manteau, franchement top, vraiment. Au niveau des vêtements, d'habitude en fait Primark, j'aime pas tout ce qui est vêtements, mais là je trouve que ça allait. Ça allait, j'ai trouvé quelques pièces parce que je sais pas, habituellement c'est toujours les mêmes choses, les mêmes types de pulls qu'ils remettent, etc. Mais là je trouvais qu'il y avait quand même de bonnes petites pièces. J'ai pris un body qui est juste ouf pour les fêtes, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils ont fait tout ce qui est article pour les fêtes, qui m'a coûté 12€, qui se présente comme ceci. Donc vous avez plein de petites paillettes avec un joli décolleté. Donc voilà, pour les fêtes, un petit haut comme ça. Il est vraiment de bonne qualité, je trouve. Au niveau des coutures, j'ai rien à dire, au niveau des finitions. Après, il lâche des paillettes, donc je pense qu'au niveau du lavage, ça va être un petit peu compliqué, donc ça va être à la main. Mais voilà, un petit body comme ça à 12€, vraiment ça coûte rien du tout. J'ai pris un lot de lima-ongles, toujours dans l'esprit des fêtes, à 1,50€, comme ceci. Pour le sport, je me suis enfin décidée à acheter une brassière, puisque habituellement, je te raconte ma life, mais habituellement je porte un soutien-gorge. Oui, je ne porte pas de brassière parce que je sais pas, en fait, j'ai pas trouvé de réelle brassière qui maintienne mes deux petites pêches, tu vois. Et là, je me suis dit, vas-y, arrête de faire la meuf, il y a des brassières à Primark pour 5€, donc j'ai pris une simple brassière comme ça. Et au niveau du dos, c'est croisé. Ensuite, j'ai pris un legging. Celles qui me suivent sur Instagram, vous devez voir que je suis assez souvent à la salle de sport, même si je mange de la merde à côté. Mais je suis assez souvent à la salle de sport, j'essaie de compenser mes écarts, vois-tu. Vous m'avez demandé où j'achetais mes leggings taille haute, vous en avez à Primark. Coûtait 5€, par contre en fait je crois qu'il y a un problème au niveau de la taille. J'ai pris ma taille habituelle, mais le problème, après je sais que j'ai un gros fessier, le problème c'est que ça n'ombre pas au niveau des fesses, c'est... En fait ça me fait un taille basse alors que c'est censé être un taille haute, vois-tu. Donc voilà, c'était le petit hic, mais je pense que comme c'est des tailles chinoises, enfin du moins j'essaie de me rassurer. Tu sais quand tu sais que t'as pris du poids mais tu te dis non en fait c'est parce que si, c'est parce que ça a été fabriqué en Chine et on connaît les tailles, toi-même tu sais.
Non, non, ok, tranquille. Voilà, 5 euros, t'as des leggings là-bas qui coûtent pas cher. J'ai pris une brosse à 3 euros licorne. Elle est trop cute, trop mignonne comme ça. J'en avais montré une autre sur Instagram. Suis-moi sur Instagram, c'est sur Instagram que tout se passe. Où à l'arrière de la brosse, en fait, j'avais plein de petits strass, de petits diamants. Je crois qu'elle était aux alentours de 4 ou 5 euros. Pareil, elle était super belle. Mais j'avoue que j'ai craqué pour la petite brosse licorne, comme ça. J'ai pris un petit kit à 12 euros qui se présente comme ceci. Donc vous avez des highlighters sous différentes formes, liquide, poudre, et là c'est encore liquide, et là c'est blue powder, une petite poudre, oui. Également un petit pinceau éventail pour appliquer la matière, et vous avez également une petite trousse comme ça, donc c'est vraiment dans l'esprit fête. Ensuite j'ai pris un truc qui va fortement vous intéresser les meufs. Je sais. C'est un rangement pour rouge à lèvres pinceau que j'ai d'ailleurs installé directement lorsque j'aurai terminé ma vidéo à 10 euros. 10 euros et regardez-moi tous les rangements. Et dans mes anciens hauls, je vous avais présenté des petites boîtes rangements pareil de chez Primark. Si vous recherchez des boîtes en acrylique pas chères, vous en avez à Primark, parce que je sais que sur Amazon, vous pouvez en retrouver. Les prix varient et ça peut être cher. Tandis que là, à Primark, les prix ne dépassent pas, il me semble, les 12 euros. Donc voilà, un gros truc comme ça pour ranger vos rouges à lèvres, vos pinceaux, etc. J'ai pris des simples petites lingettes comme ça pour se démaquiller. Je crois que c'est 1,50€. Ouais, c'est ça. 1,50€, qui sont vendues par deux. Pareil, elles sont super pratiques. Bonjour, nous avons un invité. Elles sont super pratiques pour se démaquiller, etc. Elles sont vraiment bien. Et pour finir, j'ai pris un body à 16 euros qui est juste magnifique. Comme ceci, avec des manches évasées en dentelle, il est juste à tomber. Voilà, tu mets ça là, là, tu fais un arrêt du cœur. Ça, tu mets ça là, ça y est. Même moi, je suis en arrêt du cœur sur place. Il est super beau au niveau de tout ce qui est lingerie, etc. Je trouve que Primark, ils font des trucs pas mal, en plus ça coûte pas très cher. Et donc voilà, donc j'arrive enfin à la fin de ma vidéo. C'était un petit haul, mais bon, au moins d'avis j'ai fait mon retour. Je suis revenue avec une vidéo, c'est histoire de te dire t'inquiète, je suis là, je reviens doucement. Sur ce, je vous laisse. Dites-moi en commentaire si vous avez également fait des petites impètes à Primark, si vous avez trouvé des choses qui étaient intéressantes. Et aussi, dites-moi le style de vidéo que vous voulez voir sur ma chaîne. Certes c'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre. J'arrête de blablater, je vous laisse et je vous fais d'énormes gros bisous. Ciao ciao !